Et par exemple. Plus vite que. Oui, effectivement. Attention. Allez, Ben Ali avec son pied. Oh, et attention, Youssef. Ballon pour Fleury dans la surface, en retrait vers Ben Ali. Et l'ouverture du score. Ben Ali à la gauche, qui l'est trouvé. Ben Ali sur son pied droit, qui va le, tenter le petit pont, c'est passé sur un cuisson, le sort. Et voilà. Alors que Marignane, de son côté, arrive bien joué. Plus souvent à conserver le ballon, à se projeter quand même et à trouver ses attaquants, même si pour l'instant, ça ne se matérialise pas en termes de but. Damessa est glissé. Tout le monde a parfaitement reculé en même temps. Attention à ce corner. Ah oui! L'ouverture du score, c'est Thibaut Saint. Les gabarits sont plutôt imposants. Mais le ballon là est bien trouvé pour Concarneau tout seul. Oh, il s'est raté, le fameux. Allez, c'est récupéré là par Ben Ali. C'est bien fait. Youssef Ben Ali qui va tenter la frappe. C'est repoussé par gauche du côté de Concarneau avec Ben Ali. Il est en feu, il a des jambes de feu en tout cas. Ben Ali sur son pied droit, il va centrer très fort devant le but. Attention à Young maintenant, et attention maintenant au contre de Concarneau. Le bon retour de Seba qui se bat bien là pour empêcher, mais il s'en sort bien là, le joueur de Concarneau qui revient bien. Va procéder Ben Ali, lui attaque sur le côté gauche. Ben Ali sur son pied gauche, le centre vers Maëlilien, l'égalisation. Le ballon revient dans les pieds Concarneau à nouveau avec Ben Ali à droite qui a permuté avec Maxime Fleury. Ben Ali, le centre vers Damessi, le coup de tête. Vient d'ouvrir le score hein, dans le derby du Nord. Youssef Ben Ali, l'ancien joueur du TFC, il est droitier corner sortant, bien frappé. Oh, la tête et claquette, superbe. La claquette Gignac, allez. Gignac, Gégout, pardon, qui intervient. Les Concarneau, Maxime Fleury jusqu'à Youssef Ben Ali, trois joueurs dans la surface de Concarneau. Ben Ali pour Doumbia, la frappe de Doumbia, elle est déviée. L'arrêt cette saison par un 0-0 face au Concarneau. Et attention, mais dans les 40. Et il se met très bas, ouais, un bloc bas, ouais. Ouais, un bloc bien bas, joué. Ça peut passer dans la faille pour Valentin Lavigne. Donc, 18 ans. Attention, Ben Ali. Ben Ali sur son pied gauche, dans la surface. Ben Ali qui. Attention à ce ballon, attention à ce déboulé encore. Ben Ali sur le côté droit, là-bas, le centre, vers Damessi, vers Fleury. La tête de la cour, ça revient peut-être sur Ben Ali. Ben Ali avec Drouglas Barry, voilà, probablement. Exactement, sur de la vitesse et sur de la fatigue en face. Ouais, miser un petit peu sur la. Janez, Lavigne, Drouglas, ils sont nombreux à être remontés. Ce sera vers le capitaine Guillaume Janez. En tout cas, désormais, c'est à Concarneau. Bon, Brighton Labo, avant de servir à Ben Ali sur le côté gauche. Ben Ali passe à Martin. Ben Ali sur son pied droit. Ben Ali qui va peut-être s'essayer à la frappe. Non, il revient sur son pied gauche. Pas de solution, c'est fermé devant lui. Mais il va orienter le jeu. Une seconde de plus et il y avait le dédoublement de 7ème bas. Et le centre encore pour Ben Ali. Oh, il n'est pas allé à Nathaniel Saint-Igny et ça profite à Valentin. Je peux rappeler qu'hier... À Nantes avait lieu justement une vente aux enchères de maillots pour l'association Marlène de Maria qui aide à récolter des. Ils peuvent encore revenir les joueurs de Villefranche. Ils l'ont fait deux fois en première période. On a tendance à dire jamais 203. Ça signifierait que Villefranche aurait tendance à égaliser à nouveau en tout cas. Terminé là avec son partenaire. En l'occurrence. Les Concarnois qui ont vraiment beaucoup de mal à conserver la balle, hormis là, attention, je vais peut-être me faire mentir. Ouais, avec Ben Ali, là, le bon 1-2 à l'entrée de la surface de réparation, mais le bon retour. Qui renvoie ce ballon de la tête finalement. Ben Ali pour. Hélas, sur son pied droit, pour Ben Ali peut-être, à l'entrée de la surface, Ben Ali. Oh, ce ballon qui est à. Percussion encore d'Hélas. Et ça va profiter à Ben Ali, il est sur son pied gauche. Ben Ali, il va aller percuter une nouvelle fois. Et là, il va chercher le pénalty, mais il n'y en a pas. Passé auparavant, notamment par Martigues et Cassie Carnou. Marouane Elaz. Allez, sur le côté, on est
hommes de Nicolas Kloarec. Ben Ali pour le frapper. Ce sera premier poteau, la tête de le jeu court à l'ouverture du score. Aucun attaquant, si ce n'est Quentin Lacour, le défenseur. Donc de parti. Beau 5-1. Après ce gros travail, cette grosse débauche d'énergie de Jonathan Rivas. C'est les Concarnois qui attaquent là justement avec Valentin Lavigne qui va centrer au deuxième poteau de Ben Ali et qui vient. Et tout un tas de surprises. Ce match est clairement.